Parmi les péchés les plus répandus, existe un péché qui s'est banalisé d'une manière diabolique et insensée. Un péché qui est devenu une mode. Celui qui ne le commet pas est considéré comme manquant de courage et de virilité. Celle qui ne le commet pas est vue comme une coincée ou comme une nonne. Ce péché, c'est la fornication. Un péché qui rassemble tout le mal qui peut s'abattre sur le croyant. L'absence de piété, la perte d'honneur, la vulgarité et beaucoup d'autres encore. Ce péché a pour particularité de détruire la pudeur, d'assombrir le cœur, de couvrir le visage de noirceur, de tristesse et de dégoût. Ce péché est gravissime en raison du fait qu'il renferme plusieurs autres péchés. Il engendre le meurtre, pour celles et ceux qui avortent de l'enfant né de cette relation. Il engendre le mensonge face aux personnes de sa famille. Il engendre la rupture des liens de parenté pour celles et ceux qui abandonnent leurs enfants dans des orphelinats. Mais il engendre aussi le shirk, c'est la personne à la conviction qu'Allah ne la voit pas et ne l'entend pas. Il engendre la vulgarité et la débauche, la manipulation et la perversion, et plus encore. Ce péché implique des dégâts profonds sur la santé et parfois imperceptibles. Il n'est pas rare que certaines de ces maladies mettent en jeu la vie du fornicateur, comme c'est le cas par exemple pour le sida, l'herpès ou la syphilis. D'autres maladies existent et rendent le fornicateur stérile sans même qu'il ne s'en rende compte. Un des dommages collatéraux de la fornication est que la personne peut tomber éperdument et passionnément amoureuse de son partenaire. Cette personne fera alors prévaloir bien souvent son partenaire à Allah. Le cœur sera alors accaparé par l'être aimé, et ce dernier en fera ce qu'il veut. S'il souhaite l'humilier, il l'humiliera, et s'il souhaite qu'elle se soumette, elle se soumettra. Combien d'hommes, des années après avoir commis ce péché et s'en être repentis, parlent encore de leur passé et de leur conquête comme des trophées de chasse, comme s'ils en étaient fiers. Mon frère, préserve-toi de ce comportement si tu souhaites qu'Allah accepte ton repentir. Supprime tout ce qui pourrait te rappeler ce péché, que ce soit les photos, les messages, les vidéos ou les souvenirs afin de réellement tourner la page. Ma sœur, si tu crains les menaces et le chantage d'une personne qui possède des vidéos et des photos de toi et qui souhaite encore te faire retomber dans ce péché, ne cède pas. Sache qu'Allah se porte garant de ta protection. Et quand bien même il mettrait à exécution ces menaces, quel est le moindre mal? Une humiliation ici-bas suivie d'un repentir sincère qui aura une fin heureuse? Ou bien une divulgation en public le jour de la résurrection, suivie d'une entrée en enfer ?